Le BTS Service informatique aux organisations est une formation technologique sur 2 ans, 55 semaines dont 12 semaines en entreprise. Au terme du premier semestre de la première année, les étudiants peuvent choisir entre 2 spécialités, solutions logicielles et applications métiers, appelées SLAM, et solutions d'infrastructures, systèmes et réseaux, appelées SISR. Donc les 6 premiers mois, vous suivrez les blocs de systèmes et réseaux, développement et bases de données, et de cybersécurité. Alors il y a 2 stages pendant la formation qui s'étalent sur 13 semaines, et ces stages servent à vous professionnaliser, car le BTS vous prépare à un métier qui propose beaucoup d'opportunités. Je suis élève en 2e année de BTS SEO option SLAM, donc la spécialité de développeur. Plus on avance dans la formation, plus la proportion d'heures de spécialité augmente, donc SISR ou SLAM. Au premier semestre de la première année, on a 6 heures, tandis que dans la 2e année, on a 13 heures d'heures de spécialité. Donc ma tâche consiste à apprendre à utiliser le matériel qui se trouve dans cette baie de brassage. Le matériel est composé donc d'une baie de brassage, de switch et de routeur. Le but, c'est d'être capable, en fin d'année, de pouvoir manipuler chacun de ces appareils, de les administrer et de les configurer. On les administre en filaire via les ordinateurs qui sont à côté. En tant que SLAM, donc spécialité de développement, vous serez amené à développer diverses applications, des applications de bureau, des applications web, des applications pour téléphone. Et à la fin de la formation, vous disposerez normalement d'un solide socle technique pour vous insérer dans le monde du travail. Je pense que pour cette formation, il faut être curieux, rigoureux et surtout avoir la capacité de s'adapter, l'informatique évoluant très vite.